rendez-vous de l'après-midi. Je parle d'On va gêner, bien sûr, avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Marianne Sergent, Titoff, Fabrice Éboué, Jérémy Michalak et Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour les amis. Comment allez-vous? On vous a pas revu depuis les vacances. J'étais plus venu, j'ai regardé de mon agenda depuis début juin. Et vous êtes allé voir un orthophoniste depuis aussi. Pendant tout l'été. Et d'ailleurs, comment ça se passe votre pays là? Où vous en êtes en Belgique? Ouh, alors attendez, pour l'instant il y a cette histoire de train de poulet pourri qui revient d'Ukraine. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin, c'est dans tous les journaux. Ah ouais, les poules. Moi, dès que je vois Belgique, je ne lis plus. Ah non, non, non. Je tourne la page. Il faut dire, c'est pas des flics, c'est pas des ripoux, hein. Ouais. C'est des vrais poulets, à manger. Qui avaient été abattus pendant la crise du poulet à la dioxine, qui date d'il y a 10 ans. Ouais. Qui ont été surgelés, parce qu'on dit, ça peut toujours servir. Ils viennent d'être envoyés en Ukraine par vague. Mais il y a une entreprise française qui est dans le coup. Ils étaient nés à l'époque de Tchernobyl, il faut dire, en plus, ces poulets. Oui, à peu près. Ils revenaient à l'Ukraine, c'est comme les pigeons, ils reviennent toujours de là où ils étaient. Et donc, là-bas, ils étaient retraités pour en faire de la chair à saucisse. Ils devaient revenir là et ils se sont fait pincer. Et vous, Marianne? Eh bien, moi, j'arrive du pays de Loué où les poulets sont en très bonne santé. Et ils sont sur pattes et ils courent dans la nature. Et nous les mangeons presque encore vivants, c'est dégueulasse. Et monsieur Fillon, qui est dans votre région? François va très bien. Oui. Dans ma région, nous ne l'appelons pas Fillon, nous l'appelons François. Je croyais que vous alliez dire nous ne l'appelons pas Fillon, nous l'appelons Croupion. Dans la région du poulet, ce serait normal. À la rigueur, mon poulet, mais alors faut quand même être un peu intime. Et vous, Christine Bravo, vous revenez d'Espagne? Ouais, je reviens d'Espagne. J'ai emmené mon papa dans son village natal, parce qu'il a 78 ans, il est plutôt jeune, il avait envie de revoir sa terre. Alors il m'a fait marrer, parce qu'en Espagne, vous savez, comme en France d'ailleurs, sur les paquets de cigarettes, il y a écrit « fumer peut tuer, fumer donne le cancer » et tout. Et j'étais avec lui dans un bureau de tabac, mais alors... Vous n'avez pas toujours le même slogan sur les paquets. Bien sûr. Et alors donc il commande un paquet de cigarettes et alors il le prend et il voit écrit dessus fumer rend impuissant. Et alors il dit au mec du tabac non, donnez-moi un qui donne le cancer. C'est joli. J'ai trouvé ça trop mignon. Il a 78 ans. Mais vous l'avez laissé sur place ou vous l'avez ramené avec vous? Non, je l'ai ramené. Oui. Ton père a 78 ans? Oui. Il t'a eu très tôt, je savais pas que ton père était si jeune. Comment ça, il m'a eu très tôt? Il avait 18 ans. Est-ce qu'on parle de Aznar en Espagne et de l'éventuel... Alors, pas du tout. Ah non. Alors là, vraiment, j'ai feuilleté toute la presse, justement, pour voir s'il y avait un rapport avec notre ministre de la Justice. Alors vraiment, pas du tout. Parce qu'elle continue à faire la une de tous les magazines, hein, la garde des Sceaux. Mais c'est pas Aznar, le père. Entre rumeurs et démentis, Rachida Dati sous le sceau du secret, ses points de vue, image du monde. Rachida Dati, son bébé mystère. Mais qui est le père? Mais qu'est-ce que ça peut leur faire? Carrément gala. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? On aimerait savoir, quand même. Mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est le père de... Mais c'est qui, en fait, alors? Gabriel, c'est Gabriel. Enfin, on est quand même dans un pays civilisé où on a quand même le droit de faire des enfants tout seul et on n'est pas obligé de donner des explications. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et si c'était Besancenot, c'est avec les facteurs, on sait jamais. Hein. Ah, nous avons deux auditeurs au téléphone. Bonjour. Bonjour. Ah, comment vous appelez-vous, madame? Anne. Bonjour, Anne. Vous habitez les Bouches-du-Rhône? Oui, j'habite à côté de Marseille, à Allo. 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 Allo, Anne. Allo. À côté de Plan de Cuc. Ouais, exactement. Ah bah voilà. Le régional de l'étape qui voilà, qui ramène sa science. Hein. C'est Titoff, ça va? Vous avez un chouchou? Jimmy ou Jimmy, je sais pas comment je dois dire. Bonjour Jimmy. Jimmy, voilà. Vous habitez Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, vers Clermont-Ferrand. Oui, ça, à peu près. Remarquez, dans le Puy-de-Dôme, tout est vers Clermont-Ferrand. Hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes inscrit, mais sur notre adresse mail, ruquier@europe1.fr. Oui. Bon, parfait, vous avez laissé vos téléphones. Certains envoient des mails, mais ne laissent pas leur téléphone, et c'est bien dommage. Par exemple, un mail pour vous, Marianne Sergent. Oh, que c'est gentil. Oui, j'ai un mail. Dites-moi s'il est aimable, sinon c'est pas la peine. Quel plaisir de retrouver Marianne Sergent, nous dit cet auditeur. Voilà quelques petites précisions si elle ne connaît pas les invités qui sont autour d'elle aujourd'hui. Titoff, c'est celui qui a une casquette et un accent à la con. Bon. Non, mais c'est bien résumé. Il n'a pas de casquette aujourd'hui. Le petit qui essaie désespérément de monter sur sa chaise depuis 10 minutes, c'est Jérémy Michalak. Ouais, je trouve ça plus drôle, moi, que la bande d'avant.
Pas loin de lui, il y a Fabrice Eboué, facile à reconnaître, on dirait Doc Gynéco qui a mis ses doigts dans une prise. Bon, et puis il y a Philippe Gueluc, pas de problème, c'est le chauve à lunettes qui fait des jeux de mots belges. Et enfin, en face de vous, la blonde qui se gondole sans raison, c'est Christine Bravo, la Yves Saint-Laurent du Baby Gros. Oh bah, dis donc, c'est flatteur. Ah, c'est plutôt sympathique, tout ça. Bonjour Laurent, dans l'émission de jeudi, c'est Turlute qui m'envoie ce mail. Encore Christine Bravo se désespérait d'atteindre l'âge de 80 printemps en bon état. Si je peux dépanner, je le ferai, dit Turlute, qui est taxidermiste. Est-ce que vous-même, vous avez des remarques à faire, Anne ou Jimmy ? Moi, je suis contente, quels que soient les chroniqueurs, vu que je n'ai rien à foutre de la journée. Bah. Vu que mon bébé doute, puisque tu habites à Marseille. Mais oui, mon bébé a 4 mois, je suis ménagère de moins de 50 ans, et j'ai qu'à écouter Laurent Ruquier, et ça ne dure que 2 heures, c'est terrible. C'est déjà beaucoup. Mais comment vous pouvez dire que vous n'avez rien à foutre avec un bébé de 4 mois ? Oh, bah, tu sais, à Marseille, à 4 mois, ils se débrouillent déjà tout seuls, les enfants. C'est l'autonomie, l'indépendance. Et vous, Jimmy, vous faites quoi dans la vie ? Je suis prof. Prof de quoi ? Prof d'anglais. Prof. Et ben, lui aussi, il n'a rien donc à foutre. C'est pareil. Ils sont terribles, hein, les auditeurs entre eux. Hein. Alors attention, Jimmy, attention, Anne, si vous voulez remporter le filet garni dans lequel on a glissé des tas de livres, le livre d'Amanda Stiers dont on a parlé hier, Kiss Me, publié chez Stock, le livre de Nathalie Kuperman, publié aux éditions de l'Olivier, Petit déjeuner avec Mick Jagger, le livre Le Petit Socialiste illustré par l'exemple de Jean-Michel Normand, publié aux éditions Gascevitch, les places pour le spectacle de Fabrice Eboué à la Comédie de Paris, des places pour la comédie musicale avec les chansons d'Aznavour dont j'ai eu la chance de signer le livret. Je me voyais déjà pour le gymnase, vous aurez gagné tout ça. Et même le livre Millennium, dont on parlera aujourd'hui, publié chez Actes Sud, livre qui fait un tabac, on le sait, depuis plus d'un an maintenant. Philippe, vous rajoutez quelque chose dans le filet ? Pas pour l'instant, ça sort en octobre. Oh oui, mais je peux l'envoyer un peu plus tard. Un peu plus tard, vous voulez quelque chose ? Bah, s'il gagne, évidemment. Ah, bien sûr. Bah, alors, nous pouvons ajouter en avant-première, mesdames et messieurs, Une vie de chat, le nouveau livre, le 15e album qui sort au mois d'octobre. Parfait. Ouais. Mais pour ça, oui, Anne ? C'est super, c'est super. J'attendais juste quelque chose de Philippe Gueluc et voilà. Ah oui. On a tous en nous quelque chose de Philippe Gueluc. Il faut gagner maintenant. Oui, parce qu'il va tout faire pour ne pas vous l'envoyer l'album. Eh oui, parce que lui, il sait sûrement, Philippe Gueluc, pourquoi et pour quelle raison surtout la date du 16 octobre a-t-elle été choisie ? Pourquoi et pour quelle raison la date du 16 octobre a-t-elle été choisie ? C'est la Sainte Edwige et comme il y a le truc là, l'ordinateur questionnaire là qu'on doit tous être mis en fichier, et on va faire une manifestation le 16 octobre. Et alors c'est amusant qu'il l'ait appelée Edwige parce qu'ils auraient dû l'appeler Marie-Madeleine parce que Marie-Madeleine c'est en juillet, comme ça ils n'avaient pas de manif maintenant. Remarquez, j'ai bien peur que le truc soit arrangé d'ici au 16 octobre parce que manifestement le président Sarkozy a décidé de reculer et le fichier de Vige est en train de se transformer en fait chier à Lyon-Marie, quoi. C'est un peu ça. L'histoire des relations sexuelles, tout ça, qui le dérangeait. Apparemment, il veut pas que ça apparaisse sur les fameuses fiches. Oui. Parce qu'il avait peur que la fiche de sa femme, ce soit un format A4. Je suis désolé, Marianne Sergent vous a grillé là et l'autre. Jimmy, vous vouliez dire ? Oui, moi j'aimerais bien, Laurent, que vous passiez un petit bonjour à Antoine, mon ami qui est très jaloux de vous. Comment ça ? Eh bien, je vous aime pas mal et c'est vrai que mon ami Antoine est un peu jaloux. Ça alors ? Il est jaloux Antoine. Dans le Puy-de-Dôme. Écoutez, je suis content. Je rougis. Hein. Il a quel âge votre ami Antoine ? Il a 23 ans. Ah, c'est son âge préféré. Allez, Jimmy, on t'envoie une boîte de poppers, on te remercie. Qu'est-ce qu'ils sont bons ? On vous applaudit tous les deux. Bonsoir. On va gêner avec toujours des questions sur l'actualité, Laurent Ruquier. Une autre question, Raymond Cohen. Et là, il n'y a plus d'auditeurs en concurrence avec vous. Mais là, attention, hein, je trouve que vous êtes assez doué, assez rapide. D'ailleurs, hier, il n'y a pas eu de gagnant. Hier, aujourd'hui, pour l'instant non plus. Peut-être tout à l'heure, à partir de 17h. N'hésitez pas à vous inscrire, ruquier@europe1.fr. Cette question ne s'adresse qu'à vous. Raymond Cohen est maire de Coubron. Coubron, c'est en Bretagne, ça, non ? Coubron.
C'est pourquoi? Moi, quand j'étais petit, on allait à Coubron en Bretagne. C'est un jeu de mots. C'est de l'humour. Coubron en Bretagne. Et Quibron en Bretagne. Voilà. Ah, c'est pas mal, ça vous rappelez ça. L'année passée, ça vous faisait rire. Il a beaucoup changé. Oui, mais deux fois de suite, ça m'amuse moins. Oui, mais quand on rit pas la première fois, on en essaie de répéter. On va l'avoir au téléphone, monsieur. Oui. C'est en Bretagne. Monsieur Cohen, dans un instant, le maire de Coubron. Coubron, c'est en Seine-Saint-Denis. On va l'avoir parce que il a décidé de s'attaquer à quelque chose qui fait peur en ce moment dans sa région. Oui. Qu'est-ce qui fait peur? Il y a plein de trucs qui font peur. Ah oui, en Seine-Saint-Denis, c'est la guerre. Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec le reportage qu'il y a eu sur M6 qui a été diffusé la semaine dernière? Sarcelles. Il y a un reportage sur Sarcelles. Dans le Val d'Oise. Ouais, ah, pardon, oui, c'est dans le Val d'Oise, autant pour moi. Ah oui, c'est Sarcelles, oui. Ça excusez-moi, je suis jamais sorti de Paris, donc je sais pas. Donc. Ça a rapport avec la jeunesse? Du tout. Avec des animaux? Oui. Il y a une invasion. Un chevreuil. Chevreuil fou. Une invasion de chevreuil. Mais on sait pas s'il est fou. Il aime peut-être pas les gens. Attends, il a raison. Un chevreuil masqué. Un chevreuil fou s'attaque aux promeneurs à Coubron, en Seine-Saint-Denis. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Christine Bravo. Allez. Bonjour, monsieur Cohen. Oui, bonjour. Vous êtes maire DVD, ça veut dire divers droite, hein, ça veut pas dire. Oui, d'accord. Ça veut dire que vous faites pas des locations de cassettes oui, vidéo. Hein. Ça veut pas dire qu'il y a des bonus non plus. Mais vous avez décidé d'interdire l'accès au tronçon de 2,5 km se trouvant sur votre commune. C'est toujours vrai alors toujours on vous parle. Vrai, c'est toujours d'actualité et c'est quand même dramatique. Je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur. Je n'attaque pas les chevreuils, mais je suis surtout. Attaché à la sécurité de mes concitoyens. Parce qu'il y a eu une dame qui a été blessée, faut dire les choses. Il n'y a pas eu qu'une dame. Il y a eu 6 personnes grièvement, vraisemblablement plus d'une quinzaine qui ont été attaquées. Il a volé des voitures, il me semble aussi. Non, mais soyons sérieux deux secondes, parce que c'est quand même dingue. C'est la première fois que je lis qu'un chevreuil comme ça s'attaque aux personnes humaines. Non, mais c'est vrai. C'est pas la première fois. Il y a eu des cas, mais qui n'ont jamais été signalés, même d'animaux totalement sauvages ou malades. Là, il se trouve qu'il s'agit d'un jeune chevreuil qui, on suppose qu'il est jeune. Alors, 3 possibilités, ou bien il a chopé la rage, qui m'étonnerait, parce que il n'y a pas de rage chez les renards actuellement, donc c'est probablement impossible, mais il peut avoir... Peut-être Jean-Luc Delarue qui l'a mordu. Peut-être, oui, en fait. Et je pense qu'il a peut-être une tumeur au cerveau, et vraisemblablement, et c'est ce que je pense... La drogue aussi, beaucoup. Ah, hein, peut-être qu'il va faire le Tour de France l'année prochaine. Il y a le guidon au-dessus de la tête, hein, d'ailleurs. Vous pensez qu'il va être fiché chez Edwige ou pas? Il est muni de bois au-dessus de sa tête en forme de poignard. Il n'y a pas d'embranchement. Ah ouais, ouais. Si vous voulez. Comment vous pouvez faire alors? Comment vous pouvez faire pour lutter contre ce chevreuil fou? C'est sous couvert de monsieur le préfet, bien sûr. Donc j'ai pris un arrêté pour interdire, comme vous l'avez dit, le parcours de la Duise. Eh bien, la plupart du temps, les gens se fichent de cet arrêté, ne continuent à pratiquer la Duise, et c'est comme ça que des accidents arrivent, et des accidents très graves. Mais excusez-moi, comment est-ce qu'il les attaque? Il leur donne des coups de corne? Alors il les laisse passer en règle générale, puis ensuite il tape une cigarette derrière et il les met par terre, quoi. Et il signe d'un C avec ses cornes, d'un C qui veut dire chevreuil. Mais au XVIIe siècle, quand il y a eu la bête du Gévaudan, on a fait une bonne vieille battue et on a abattu la bête. Vous attendez qu'il en descende Comblain avant de faire une tout battue. À fait. Alors je suis d'accord avec vous. Alors j'ai pris les premières mesures donc d'interdire, comme je vous le disais, mais j'ai pris également une autre initiative. C'est de m'adresser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de manière à ce qu'ils interviennent. Ils sont spécialisés. D'abord pour identifier la bête, de savoir si elle est malade. Vous savez, souvent, les gens, on voit le petit Bambi gentil, et puis on veut se l'accaparer, voilà, on l'élève. À l'époque, dans le 9-3, ils avaient des pitbulls, maintenant, ils ont des chevreuils, les mecs. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, quoi, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un espace qui existe encore en Seine-Saint-Denis, où les gens puissent se rendre un petit peu à la campagne. On vous souhaite que tout ça s'arrange, parce que c'est quand même un témoignage vibrant ce matin dans le Parisien, de cette dame de 58 ans blessée à une artère fémorale. Ce qui est curieux, c'est la question du journaliste qui l'interroge dans le Parisien, ou de la journaliste, du journaliste qui s'appelle Gwenaëlle Bourdon. Oui. Il lui demande: comment avez-vous rencontré le chevreuil? Comme si c'était par petite annonce sur Internet. Voilà, mais on espère qu'elle va aller mieux et que ce sera le cas de toutes les personnes blessées. Je vous embrasse, ma biche. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Europe 1.
suite d'On va se gêner, Laurent Ruquier. Que s'est-il passé en 99, en 2000, en 2001, en 2002, en 2003, en 2004 et en 2005 qui pourrait se passer encore l'année prochaine? Vous faites la bonne année? Ouais, c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'était mon anniversaire. C'est bien Fabrice, mais c'est pas ça. Attends, ça s'est passé c'est un phénomène climatique. Pas du tout. Une éclipse. C'est une éclipse. C'est pas mon retour chez Drucker. Non. Parce que j'étais effectivement de 99 à 2006, et puis plus pendant deux ans. Et puis ça vous fait un point commun avec quelqu'un d'autre, donc. Ah, avec Lance Armstrong. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, il y a du vélo dans les deux cas. Drucker, le vélo, association d'idées. Ouais. Effectivement, Lance Armstrong a déjà gagné 7 fois le Tour de France, et il pourrait gagner une 8e fois s'il y participe l'an prochain. Vous y croyez, Christine? Vous, non, c'est la spécialité. D'abord, hein. il a 37 ans, ça me paraît très difficile, mais surtout, je trouve ça un peu scandaleux parce que il est. Ok, il dit qu'il ne s'est jamais dopé, mais tout le monde sait dans le milieu que c'est absolument impossible. En fait, il a trouvé un meilleur produit que les autres pour pas se faire choper. Mais, il a évidemment carburé à l'EPO comme beaucoup. Enfin, c'est presque avéré. Il y a Raymond Coppa qui va revenir en équipe de France. C'est lui à qui on a enlevé les testicules. Exactement. Bah alors c'est pour pas les deux. Tu pédales beaucoup plus facilement, évidemment. Regarde Jeannie Longo. J'allais le dire. Ah bah voilà. Elle s'attendait qu'elle était numéro 1 alors qu'elle, à mon avis, elle a des couilles pour vous êtes très branché testicule en ce moment, Philippe Gueluc, parce que j'ai vu votre dessin dans le nouveau journal satirique Ciné Hebdo qui se lance un peu en concurrence de Charlie Hebdo suite, on le sait, à la scission Philippe Val Ciné. Et votre dessin montre justement un chirurgien avec une une paire de couilles dans les mains et qui accouche un monsieur. Voilà, et il dit Là, il tient la paire de couilles dans les mains. Il dit félicitations, ce sont des jumelles. C'est malin, Gueluc. Voilà, la rubrique s'appelle Gueluc se lâche. Une autre question maintenant. Peut-être que vous avez vu la publicité pour le film Mamma Mia, film musical dont on parle beaucoup avec Meryl Streep. Bonne réponse d'une question pas posée encore. Et l'ancien James Bond d'ailleurs, Pierce Brosnan. Et ni l'un ni l'autre, il faut le dire, n'était d'ailleurs à Deauville pour le festival du film américain qui présentait ce film en exclusivité, ce qui est quand même un peu dommage parce que il y avait les deux anciens membres du groupe ABBA, mais enfin tout le monde s'en foutait, tout le monde voulait voir évidemment Meryl Streep et Pierce Brosnan à l'affiche de ce film, et non, eux n'étaient pas là. Mais en revanche, on a pu voir Craig Stapleton. Qui est Craig Stapleton? Il joue dans le film aussi? Il joue pas dans le film. Ah, c'est un acteur, son acteur? Il n'est pas acteur. Non, c'est quelqu'un qui va jouer le rôle de quelqu'un de célèbre. Non plus. Craig Stapleton. On est à Deauville, dans le Calvados. On a fait la présentation du film Mamma Mia. Ce serait le réalisateur de la version américaine des Ch'tis. Non plus. C'est un producteur de Calva. Non plus. C'est un journaliste. Non plus. C'est un des deux membres d'ABBA. Non plus. C'est un GI qui avait débarqué en Normandie et qui s'est installé là. Ça a un rapport avec la Normandie. Il est vieux. Craig Stapleton, il doit avoir une cinquantaine d'années. C'est jeune. Oui. Il est venu spécialement pour l'événement ou il habite dans la région? Ah non, il n'habite pas à Deauville et il est venu effectivement pour le festival du film américain. Et il se trouve que les journalistes se sont amusés à citer son nom parce que comme il n'y avait personne d'américain quasiment pour la présentation du film, c'est qu'il y avait les deux membres du groupe ABBA mais qui sont suédois. Évidemment. Il n'y avait pas Meryl Streep, il n'y avait pas Pierce Brosnan, mais il y avait... Craig Stapleton. Il vend quelque chose. C'est une comédie musicale à la base, Mamma Mia. C'était pas le comédien qui jouait à Broadway ou quelque chose comme ça. Il est connu aux États-Unis? Aux États-Unis, je ne sais pas. Chez nous, oui. Ah bon? Il est connu. Ah, c'est la voix. C'est une voix de quelque chose. C'est la voix. Non plus. Non. Il est un petit peu mêlé au métier du cinéma ou pas? Non du plus. Du tout. Il est. À part être américain, donc. Il est américain, riche. Je n'en sais rien. Il pose pas pour une publicité, c'est pas Monsieur Propre. Il y a une publicité dans laquelle on pourrait le voir éventuellement. Ah, c'est une doublure de quelque chose. Le sosie d'un des candidats. Non. Une publicité. Il est en rapport avec des questions qui font chier ou pas? Est-ce que c'est un commerçant qui vendrait quelque chose? Ah, c'est pas du tout un commerçant. C'est un James Bond? Non plus. Non, mais c'est pas la doublure de Craig Stapleton. Stapleton, ça me dit quelque chose, dis donc. C'est quand même, là, il faut dire, le festival du film américain à Deauville. Deauville. Ah, est-ce qu'il y a un rapport avec les chevaux? C'est-à-dire les courses. Les courses, le Grand Prix, hippique. Ah oui, c'est non, vrai? Oubliez non, Deauville. Bon.
Ah bah alors, bon, tu dis que t'en fais des caisses sur la Normandie. Genre, il m'a bien eu. Hein. J'approche, hein, je brûle. Vous n'avez pas tout écouté, je dis, c'est le festival du film américain à Deauville. C'est pas l'ambassadeur des États-Unis en France. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Évidemment, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France. Et il était seul américain pour la présentation du film Craig Stapleton. C'est le David Martineau américain, en fait. Exactement, qui d'ailleurs, David Martineau, était effectivement aux États-Unis. Où ça, d'ailleurs? À Los Angeles, je crois. À Los Angeles, peut-être. Il est consul. Voilà. Il est consul. Ouais. Mais voilà. Et dans quelle publicité il aurait pu jouer? Parce dans Ferrero Rocher. Ah oui. Oh non. Ah, mais oui. Ah ouais, franchement, je vous mets sur la piste. Oh non, hein, pour arrête, tu nous embrouilles. Continuons sur ce film, Mamma Mia, puisque vous avez vu les affiches, la publicité un peu partout. Oui. Et sur ces affiches, il y a une énorme faute d'orthographe. Ah, merde, laquelle? Mamma, il y a trop de M ou il n'y a pas assez de M? Non. Meryl Streep avec STRIP. Alors, c'est le slogan du film. Je ne sais pas si vous le connaissez, le slogan. Évidemment. En français, il est marqué en français. En français, oui. Bon, alors, je vais vous donner le slogan et peut-être vous allez trouver comme ça plus rapidement. Le musical de Broadway. Non. Mamma Mia, le mariage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. D'oublier avec et accent aigu. Non. Surprêt? C'est-à-dire? Ah, il n'y a pas l'accent circonflexe. Il y a un accent circonflexe. Ils l'ont écrit avec un T. Ils l'ont écrit ES au lieu de T. Ils l'ont écrit avec un T. Ils l'ont écrit P, R, E, accent circonflexe, T, mais oui. S. Ouh. Alors qu'évidemment, c'est prêt, P, R, E, accent grave, S, car c'est prêt, proche, oui. Et non pas prêt, C'est atroce. Quoi? Mais c'est atroce. Il faut faire corriger ça tout de suite. C'est la rentrée des classes. Parce que déjà, sur la bande son, ils avaient mis un des B. Je me demande si j'aurais pas fait la faute, moi, dans le mais fond. Moi aussi, là, je suis en train de poser. Quand je sais pas, je mets pas le mot, par exemple. Le mariage que vous n'êtes pas à oublier. Que vous n'oublierez pas. Vous n'oublierez pas. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc tu peux pas dire, je me suis fait à l'idée, par exemple. Bah si. Non, je me suis fait à l'idée. Mais je parle pas du chanteur. Je parle pas du chanteur. Je parle de le... Je me suis fait. Je suis fait à l'idée. Je me suis fait à l'idée de le mariage des prêtres, par exemple. Vous l'écrivez des comme prêtres. Alors, on n'est pas prêt de les voir arriver. En tout cas, c'est une énorme faute. Embarrassé, Universal, Metrobus et la régie publicitaire de la RATP ne vont pas retirer leur publicité puisque cette comédie est attendue aujourd'hui en salle et que les affiches vont se retirer automatiquement dans aller voir le film. Et le premier, vous savez, le premier qui a trouvé la faute, il paraît que c'est le chevreuil de Saint-Denis qui est passé devant le bus. Il voulait attaquer les gens qui sortaient du bus. Il y a un autre film qui sort aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est le film de Michel Houellebecq avec Benoît Magimel. Dans un cas sur deux, quel est le titre des articles qui sont consacrés à ce film? Atroce, pathétique. Le titre ou le commentaire? Le titre. Dans un cas sur deux, le titre choisi par le journaliste pour parler de ce film, c'est... Impossibilité d'un film. Vous n'êtes pas prêt d'y aller? Non. Non, c'est sur son premier... Comment s'appelle le film? La possibilité du Nil. Alors, comment s'appelle la possibilité d'un film? Du nul. Alors, il y en a un peu plus, comment dire, un peu plus malin, qui a titré La possibilité du nul. Oui. Mais c'est Libération, ça. Mais une fois sur trois, c'est... La possibilité du bide. La possibilité du bide. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Je n'ai jamais vu un film se faire il prend cher, ouais, à ce point massacré par la presse. Ah si, Bernard-Henri Lévy, tu te souviens pas? Ah bah c'est à peu près du même tonneau. La certitude d'un bide, la possibilité d'un bide. On lit ça, mais partout quasiment. Mais le livre était nul. Oui. Comment tu peux en faire un film? Oui, mais le livre, on en parlait partout. Oui, mais en disant que c'était nul. J'ai jamais vu dans ce pays autant de journalistes se répandre dans tous les journaux sur des livres qui sont nuls. Oui. Et encore maintenant, on y a... Et puis après, se venger, comme s'ils avaient été, tu vois, c'était rendu compte. Le pire, c'est le journal 20 minutes. Chaque jour, ils font le chiffre du jour. Oui. Et là, aujourd'hui, dans 20 minutes, le chiffre du jour, c'est 85 minutes. Alors, on se dit, tiens, pourquoi 85 minutes? Puis on lit l'article. C'est le temps perdu à aller voir La possibilité du Nil. Adaptation cinématographique improbable par un Michel Houellebecq peu inspiré de son propre roman sur les délires d'une secte convaincue que le clonage mène à la vie éternel. Et la fin du papier de Pierre Vavasseur dans Le Parisien, c'est « Le film s'achève sur cette jeune femme noire qui s'acharne interminablement à progresser dans cette pierraille de cendres. Le film s'achève sur elle. Il nous achève avec. On peut bien raconter la fin puisqu'elle n'en est pas une, comme le film d'ailleurs qui n'en est pas un. » Vous vous rendez compte? Wow. J'ai rarement lu ça, hein.
On est réellement dans un système journalistique qui n'a aucune mesure, qui peut encenser des gens pendant des années sur des merdes, qui sur des vraies merdes. Je veux dire, on en connaît tous, on n'ose pas toujours dire parce que parfois la productrice d'une émission de télé vous dit, écoute, faut pas démolir le mec. Bah oui. Quelle productrice mais toute la presse, de la presse intello à la presse populaire, consacre des pages et des pages à la sortie, à l'événement d'un truc. Les gens marchent, achètent le bouquin et puis sont déçus. Et puis comme si les journalistes réalisaient qu'ils avaient porté au pinacle des gens creux, après ils se vengent et ils les tuent, ils les assassinent dans la suite de leur carrière. Si je m'étais écouté, si j'avais travaillé dans un journal aujourd'hui, j'aurais titré le film de Welbeck, le film que vous n'êtes pas prêt, PRET, d'aller voir. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner avec aujourd'hui Christine Bravo, Fabrice Éboué, Philippe Geluck, Jérémy Michalak, Marianne Sergent, Titoff et vous, Laurent Ruquier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Thérèse Boyer, qui a décidé d'assigner en justice qui, justement ? Le chevreuil ? Non, c'est la question que je vais vous poser. Elle a décidé d'attaquer pour enrichissement sans cause. Mais d'attaquer qui ? Quoi, nous, l'équipe ici ? Non. Elle trouve qu'on ne mérite pas les salaires qu'on gagne. Une secte à qui elle a donné de l'argent ? Ah, une secte, le mot est un peu fort. Mais... une association, enfin... ah, une association, c'est pas tout à fait le mot non plus. Les alcooliques anonymes ? Une religion. La religion catholique. Alors, pas la religion catholique. Protestant. Le Vatican. Non, pas le Vatican. Alors, elle ne connaît pas Benoît XVI, Madame Thérèse Boyer. Donc, elle a décidé d'attaquer... Et pourquoi ? D'attaquer l'évêque de sa région. L'église. Pas l'église. Le curé. Indirectement, l'église. Non, mais dites pas. Le curé. Pas Dieu, tout de même. Non, pas Dieu. Parce que lui, pareil, il est bénévole. Il a des très bons avocats. Non, il touche rien, lui. Pendant 47 ans, elle a travaillé auprès de... du curé. C'est la bonne du curé. L'évêché. L'évêque. Alors, elle n'est pas bonne du curé. Elle est quoi, à votre avis, Thérèse ? Sœur. Bonne sœur. Elle est religieuse. Et elle a donc décidé d'attaquer... le couvent. Sa congrégation. Bonne réponse de Philippe Geluck et Christine Bravo. Bonjour, madame. Ma sœur. Bonjour, ma sœur. Oui. Qu'est-ce que je dois dire, d'ailleurs ? Ma sœur ou madame, maintenant ? Je suis plus religieuse, vous n'avez pas tout compris. Hein. Ah, alors vous allez tout m'expliquer, ma religieuse. À l'âge de 59 ans, après 40 ans de vie religieuse, je ne suis donc plus ma sœur, je suis madame Boyer. Mademoiselle. Puisque j'ai quitté une congrégation. Ça y est, c'est clair ? Et vous êtes mariée, maintenant ? Non, mais c'est un autre problème qu'on réglera un autre jour. J'attends... Ça veut dire ta gueule. Hein. Juste madame Boyer, parce que dans François, déjà, ils se trompent sur votre âge. Ils disent à 67 ans. J'ai 68 ans. Ah, donc, vous étiez aux Sœurs de la Providence, c'est ça ? De la Pommeraye en Maine-et-Loire, oui. Voilà. Les Sœurs de la Providence de la Pommeraye en Maine-et-Loire. Et pourquoi vous avez décidé de quitter le couvent ou la congrégation ? Bah, disons que, pour faire vite, le monde moderne étant entré de plus en plus dans la société, il y a un moment où je me suis rendu compte que, penser par soi-même devenait de plus en plus difficile, il faut le dire, hein, voilà. Non pas que c'était interdit pratiquement, enfin, objectivement, mais c'était difficile. Donc, je ne m'y retrouvais plus et pour être en respect avec moi-même, il fallait que je quitte, sinon, il fallait que je me torde, quoi. Bah, vous vouliez un iPhone, quoi. Mais pourquoi attaquer ? Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous avez une trop petite retraite, c'est bien ça ? Pardon, pourquoi attaquer ? Donc, alors, en même temps, le mot attaquer ne me convient pas, mais c'est comme ça qu'on parle, on dit attaquer en justice. Hein. Pendant la moitié de ma carrière, entre guillemets, j'étais en Afrique, c'est-à-dire là, sans salaire et couverte donc par ce qu'on appelle la CAVIMAC, la caisse de l'église. Et vous aviez fait vœu de pauvreté, et qui est surtout. La plus petite de toutes, hein, puisque donc elle donne 350 euros de retraite pour 150-160 trimestres cotisés tous les jours, attention. Hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas de retraite, c'est ça en gros ? Ça veut dire que si,
j'en ai une puisque j'ai 271 de la caisse de l'église pour le temps où j'ai été pendant une vingtaine d'années sous le régime de cette caisse, vous voyez, hein, qui donc est la plus petite de toutes et est complètement dérisoire. Mais autrement, j'ai 752 euros en tout parce que j'ai mes années d'institutrice où j'avais aussi une caisse complémentaire. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que vous réclamez alors à la congrégation? Nous réclamons puisque nous sommes 10 000 de par la France à avoir quitté où 10 000 religieuses, belle pâtisserie. Bien, nous réclamons que notre retraite, la retraite de couverture Église Cavimac soit revue, revisitée, avec comme base de calcul 85% du SMIC, voilà, hein, et non plus ces 350 euros. Hein, quelqu'un qui aurait fait toute sa vie dans l'Église sans aucune profession aurait 350 euros par mois de retraite en tout et pour tout. Donc nous voulons. Oui, mais vous aviez fait vœu de pauvreté. Oui, et pas vœu de silence. Et puis surtout là, je crois que vous êtes trompé de service. Il faut appeler Julien Courbet, je crois. Pour faire des questions. C'est pas le bon service, madame. Le vœu de pauvreté n'empêche pas la congrégation à qui je donne mon salaire en toute conscience et voilà, ok, hein, de cotiser convenablement pour ma retraite. Les sœurs de la Providence de la Pommeraye. Que nous reprochons et dont nous demandons réparation. Oui, mais normalement, si vous ne quittez pas les ordres. Effectivement, si on ne quitte pas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en fait, c'est peut-être pour vous empêcher de quitter qu'ils font ça. Disons que ça pourrait avoir l'air de ça. Voilà. Ah oui. Mais en fait, vous aviez fait le plus dur. Plus je vais, plus je me dis, en tout cas, c'est un tout. Qu'est-ce que vous dites, Philippe Gueluc? Mais non, je dis, vous aviez fait le plus dur. 40 ans, les 40 premières années. Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, je pense. Non, mais c'est vrai, il fallait pas partir. Ah, il fallait pas partir. Prenez exemple sur la hiérarchie. Le pape, par exemple, il y a jamais un pape qui est parti à la retraite. Jamais, non. Voilà. Bon, hein? Eh bien, de toute façon, voilà, c'est justement le nœud du problème, hein. C'est-à-dire que il arrive un moment où certaines personnes, pour X, Y, Z raisons, ne se trouvent plus bien en face dans une institution. Voilà. Hein, et... que ça irait jusqu'à les empêcher de respirer quelque part. Hein. Donc, au nom de l'honnêteté avec soi-même, hein, et du respect de soi-même, il y a une plus grande fidélité à quitter qu'à rester. Je dirais que c'est un peu plus clair maintenant après vos explications, mais c'est pas encore net. Hein. Ah bon? Encore net. Voilà. On vous remercie, on vous embrasse, Mme Boyer. Il n'y a plus de cornette. Hein. D'accord. Vous étiez sœur Thérèse? Je m'appelle Thérèse Boyer, c'est mon nom de civil. Hein. Mais alors, c'était sœur quoi? Et alors votre nom de guerre? Marie-Luce. Sœur Marie-Luce, pourquoi on change de prénom quand on devient sœur? Parce que symboliquement, on lâche beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Hein. Donc, c'est une démarche symbolique. Voilà. Je pourrais développer. Les strip-teaseuses aussi changent de prénom. C'est vrai. On vous remercie, ma sœur, ou mon ex-sœur. Non, pas ma ex-sœur. Si alors, Thérèse, celle qui maintenant peut rire quand elle veut. Et on va gêner, continue avec Laurent Ruquier et son équipe. Ce soir, un match important, la France contre la Serbie. Vous regarderez forcément ce match où l'avenir de Raymond Domenech est en jeu. Vous le savez, le sélectionneur, puisqu'il faut absolument gagner. Alors, vous avez vu, évidemment, que tel un album d'Astérix, tous les noms des joueurs serbes se terminent par Ik ou Itch, selon que vous le prononciez. Hein. Dans les buts, nous avons Dijlenković, Ivanović, à l'arrière Vidić, Dragutinović, Obradović, au milieu de terrain Ergić, Kuzmanović, Ilić, Stanković, Jankovic, et en attaque, le fameux joueur de 2m04 ou 2m05, Žigić. Et je pense que ce soir, on aura Raymond Domenić. Il faut se méfier, à mon avis. Ou Osecic. En tout cas, c'est un match que vous allez forcément regarder. Et vous allez faire attention aux coups francs, puisqu'on a remarqué que l'équipe de France avait une grosse faiblesse. C'est qu'on prenait à chaque fois des buts sur coup de pied arrêté quand l'équipe adverse avait le droit à un coup franc. Mais pourquoi ce soir, les Français devraient être aidés pour faire le mur face aux tireurs du coup franc? Parce qu'ils ont mis des grands. Non. Pourquoi ce soir, les défenseurs ils français... Ils ont rabaissé le but. Devraient-ils être aidés pour faire le mur face aux tireurs Non, parce que les Serbes sont très très mauvais en coup franc. Non. Non, parce que les supporters français vont souffler
dans le dos du gardien de but pour envoyer le ballon. Non. Parce que pour une fois, ils ont travaillé avant d'aller sur le terrain. Non. Ils ont tradé. Ils vont jouer avec des chapeaux ? Non. Ils ont des nouvelles chaussures ? Non. Ah, ils jouent contre l'équipe Handisport de Serbie. Non. Ils sont tous en fauteuil. Ils devraient trader pour faire le mur. Pour faire le mur. Oui. On est d'accord, le mur défensif face au coup franc. Tout à fait. D'accord. Quand ils tiennent les couilles, il y a un joueur. Ah, c'est en rapport avec l'arbitre, Brick, peut-être. Ouais. Ah, il s'appelle Brick. L'arbitre est français non. Ou. Non, il s'appelle l'arbitre. Non. L'arbitre. Et maçon ? De non, il est. Il est borgne. Non, il est portugais. Il est portugais, évidemment. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais donc, pour faire le mur. Ah, je comprends pas. Pour faire le mur, il est maçon, le truc. C'est scandaleux. Moi, je travaille plus dans cette émission. Je trouve ça dégueulasse. Tu connais pas son côté fourbe depuis assez longtemps. Mais quel scandale. Mais ça aide pour faire un mur en arbitre portugais, quand même. Évidemment. Ça me semble évident. Je n'avais pas trouvé d'autres questions sur le match ce soir. Non, les clichés. En revanche, chercher un truc technique. C'est comme le cliché. C'est comme hier, j'étais chez mon ostéo, j'ai des problèmes de dos. Il aime bien me parler d'artistique. Il va souvent au théâtre, etc. À chaque fois, j'ai remarqué qu'il aime bien un truc. C'est forcément un juif. À chaque fois, il me dit oh, bah, hier, j'étais voir Gad Elmaleh. Vraiment, ouais. C'est vraiment génial. T'sais. Après le lendemain, j'étais voir Zabou Breitman au cinéma. Alors, au bout d'un moment, je lui dis ouais, c'est un peu partisan son histoire quand même, si tu veux. Et hier, il me dit. Hier, j'ai été voir Marianne James, c'est vraiment très bien. Je dis, ah, enfin, il me parle d'autre chose. Je l'ai vu dans la comédie musicale Rabbi Jacob. Il dit, Raymond Domenech, en tout cas, hier, face aux journalistes, a quand même, une fois de plus, un peu perturbé tout le monde en se comparant à un guillotiné éventuel. Enfin bon, il a une communication assez bizarre. Absolument, quand même. J'ai une information, moi, mais qui vient du. Qui n'est pas. Enfin, si, que j'ai recoupé, mais qui vient du bistrot, où j'ai bu mon café avant de venir faire l'émission. Et le type du bistrot disait à un mec avec qui bavardait au bar, il dit, quand on entraîne l'équipe de France, on se coupe les poils des oreilles. Il a des touffes de poils noirs, vous savez, comme Gérard Miller. Mais Gérard n'entraîne pas l'équipe de France. Mais j'ai trouvé ça formidable. Quand on entraîne l'équipe de France, au moins on se coupe les poils des oreilles. Mais Terrasse, c'est parce qu'il est espagnol. C'est vrai que les Espagnols. C'est vrai que tous les Espagnols en ont fait. Mais non, mais c'est vrai que. Mais moi aussi. C'est pour ça que Aznar a toujours pas compris ce qu'on lui disait. On lui disait, c'est vous le père. J'entends pas. Mais si Gérard entraînait l'équipe de France, ça donnerait peut-être pas un autre sport que ce que je connais. En tout cas, Bernard Laporte, le ministre des Sports, évidemment, pense déjà au remplacement de Raymond Domenech et il lui envoie un petit chant de supporters. Bonjour, c'est le secrétaire d'État au ministère des Sports. Petite dédicace pour Raymond Domenech. Ce soir, on est avec toi sur la Serbie. Hein Roseline, t'as un mot à dire ? Non, je déconne. 1, 2, 3, 4... Raymond va dégager, 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 Raymond va dégager. On a peur que les bleus, ils vont pas se qualifier. Faut dire qu'après l'euro, y'a de quoi être stressé. On voit tout plein de buts, mais c'est nous qu'on les prend. Une défense fantôme, et c'est pas mieux devant. On voudrait bien marquer, mais on ne sait pas comment. Même contre des Autrichiens, et on se fait décalquer. Écoute Estelle Denis, faut que tu lui dises oui. Tant que c'est pas marié, il voudra pas gagner. Alors Raymond va dégager, Raymond va dégager. Raymond va dégager, va dégager. Raymond va dégager, Raymond va dégager. Raymond va dégager, va dégager. Oh, Roseline, bouge, vas-y, bouge, c'est bien comme ça. Pas trop quand même, hein. Raymond va dégager, Raymond va dégager. Raymond va dégager, Raymond va dégager. Raymond, je crois qu'on a compris, le ministre des Sports, Bernard Laporte. Raymond va dégager. Vous soutenez, vous, Raymond Domenech? Moi, je suis emmerdé parce que c'est vraiment, je l'aime bien, je le connais, je l'ai un peu rencontré avec Estelle Denis, c'est un mec sympa, plutôt introverti, plutôt, et je ne reconnais pas le mec avec qui je dîne
et qui est vraiment chaleureux, gentil et plutôt calme et qui pas du tout arrogant, vachement bien élevé, vachement à l'écoute. Et je ne reconnais pas le mec dont on parle dans les journaux avec insupportable Raymond. Je crois qu'il a développé une sorte de paranoïa. Ah oui, aussi il est devenu journaliste. Je pense que c'est dans la tête, ça va pas là, parce que tu as dit le mot. Il est paranoïaque devant les journalistes, mais ça n'est pas lui dans la vraie vie. J'ai jamais vu un truc pareil, dis donc. C'est comme un dédoublement de personnalité. C'est comme Jean-Marie Le Pen, moi je le connais personnellement. Vraiment, allez, on se retrouve dans un instant après les infos. Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Marianne Sergent, Christine Bravo, Jérémy Michalak, oui. Philippe Gueluc, Titoff, Fabrice Eboué. Et nos deux auditeurs qui vont tenter ce challenge, aller plus vite que les chroniqueurs. Attention, depuis hier, on n'a pas de gagnant. Alors, on compte sur vous, évidemment. Annabelle, qui habite Vincennes. Bonjour Annabelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Annabelle ? Je travaille à la SNCF. À la SNCF. Ah, quel poste à la SNCF ? Quel métier ? Je travaille sur la vente des billets de train, donc définir les prix, proposer des nouveaux services à nos clients. Très bien. Quel âge, Annabelle ? 33 ans. 33 ans. Je suis à Saint-Mandé, moi c'est juste à côté, vous avez juste à traverser le... Vous voyez où c'est, Saint-Mandé ? C'est pas loin, pas loin du tout. Bon, on se laisse nos coordonnées après l'émission. Hein. Peut-être, on verra. S'il gagne. Sylvain habite Marcy-l'Étoile. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. C'est où ça, Marcy-l'Étoile ? C'est à 10 km de Lyon. Ah bah tu vois, moi j'habite à Lyon, donc tu traverses le bois et on se laisse les coordonnées pour après l'émission. Vous nous écoutez tous les jours, Sylvain ? Ah, régulièrement, ouais. Régulièrement, ça veut pas dire tous les jours, ça. Bah, toutes les fois que je peux, j'ai même maintenant téléchargé en podcast. Téléchargé en podcast, oh là, ça c'est très beau. Bien. Parlez-en à vos amis, inscrivez-vous si vous voulez jouer aussi sur ruquier@europe1.fr. Surtout, n'oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone si vous voulez aussi assister à l'émission dans le studio ici, rue François 1er, ou même avoir quelques commentaires sur les uns et les autres. Philippe ? On peut répéter l'adresse pour ceux qui doivent noter, Ruquier, R-U-Q-U-I-E-R, @arobase, Europa, etc. Oui, c'est ça. Bonjour, monsieur Arobase. Annabelle, avez-vous un chouchou ou une chouchoute ? Ah oui, j'adore Pierre Bénichou. Il n'est pas là. Et vous, Sylvain ? Alors, moi, c'est Gueluc, à 100%. Gueluc. Ah. Ah, vous aussi. Écoutez, voilà. On est heureux de jouer avec un candidat de cette qualité. Oui, mais ça ne va pas les empêcher, les uns et les autres, de tenter. Surtout, alors, je vais vous dire, ceux que vous n'avez pas cités. On va se venger. Ils vont se venger. Hein. Alors, c'est parti. Voilà, je vous aime tous. Voici la question. Gilbert Mouton. Le Ramadan. Lionel Jospin. C'est le nouveau nom du coiffeur de Lionel Jospin, non ? Gilbert. Qu'est-ce que vous êtes con ? Gilbert Mouton est un expert qui a été appelé pour vérifier comment se comportait Théo. Que fait Gilbert Mouton ? C'est vraiment son nom, Gilbert Mouton. Oui. C'est un scientifique. Et Théo, c'est un animal ? Théo, c'est un animal. C'est un... Un dalmatien. Théo, c'est un dalmatien. Et Gilbert Mouton, donc, la c'est question... C'est un psychologue pour chien. Un vétérinaire. Ah, je sais, c'est celui qui a témoigné dans un procès oui, c'est un contre... Ben oui, c'est mais... pour moi, c'est pour moi. Ben non, c'est Fabrice. C'est Fabrice. Tac, Bénichou et Gueluc, dans le cul. Dans le cul. Allez, salaud. Eh ouais, vous m'auriez juste dit vétérinaire, ça suffisait, parce que je vous demandais quel était son métier vétérinaire, très précisément comportementaliste canin, mais expert vétérinaire, Gilbert Mouton. Et effectivement, Théo, comme l'a deviné Fabrice Eboué, c'est un dalmatien, c'est le fameux chien qui a témoigné lors de la reconstitution d'un crime éventuel. Attendez, il a témoigné, je comprends pas comment le chien témoigne. Il a aboyé. C'est Mouton qui a témoigné. Ah, voilà. D'accord. Non, c'est le chien. La vocation de vétérinaire, il a eu à quel âge, en fait ? Gilbert Mouton, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ? Un vétérinaire. Je sais pas, je pourrais peut-être dans la mode, faire des vestes. Aspirateur aussi. Un vétérinaire qui s'appelle Mouton,
c'est comme un proctologue qui s'appellerait Anus. Voilà, vous n'avez pas retenu le nom du chien Théo, le dalmatien, qui a témoigné dans cette affaire de meurtre ou de suicide. On ne sait pas, c'est toute la question. Ça a eu lieu à Neuilly-sur-Seine en 2005. Et en tout cas, le dalmatien a été témoin du décès de sa maîtresse. Voilà pourquoi on l'a fait venir sur la reconstitution du meurtre éventuel. C'est le juge d'instruction Thomas Cassuto qui a pris cette décision. Cassoulet. C'est Stéphane Blakowski qui vous en a parlé d'ailleurs ce matin dans sa chronique dans le 7-9 de Marc-Olivier Fogiel. Et Gilbert Mouton, lui, est venu en tant que vétérinaire. Vous n'aviez pas entendu parler de cette affaire ? Moi, non. Non, ni l'un ni l'autre. Oui, si, j'en avais entendu parler, mais vous avez été plus rapide que moi. Eh oui, Annabelle, je suis désolé. Parce qu'à Vincennes, quand même, il y a le zoo qui n'est pas si loin. Vous auriez pu, évidemment, suivre tout ça de très près. C'est le magistrat de Nanterre qui a pris cette décision insolite, quand même, de faire venir un dalmatien sur le... Non, vous ne trouvez pas ? Bah oui, il a aboyé. Il faut voir, oui, il y avait des taches dessus. On a examiné les taches qu'il y avait sur le dalmatien. Il a aboyé, c'est vrai ? Non, il a marqué l'arrêt. C'est-à-dire en voyant le mort. Comment il a fait l'arrêt et la post-proche ou bien il a reniflé la et il a juré avant de témoigner il a levé la patte et dit Edith Wawa. Bon, vous embrasse quand même tous les deux, vous restez fidèles. Moi j'aime toujours Yélu puisqu'il a pas trouvé, donc j'aime toujours autant. Tu vois, ça c'est des gens de qualité. Ça, j'imaginais pas que vous aviez un tel succès, hein. Jusque vous rendez compte, jusqu'à Marcy l'Étoile. Non, mais même un peu, même au sud de Marcy l'Étoile, ça marche aussi. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci. Au revoir. D'autres auditeurs joueront demain, mais j'ai une autre question à vous poser. Qui a déclaré « Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis contre le fait d'en discuter ». Daniel Evenoux. Non. Une femme ? Ce n'est pas une femme. Oui, c'est une femme. Mais on n'est pas sûr. Vincent McDoom. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Non, c'est une femme. Est-ce que c'est Laetitia d'Espagne ? Donc on va avoir la liste de tous ceux qui se sont fait refaire la gueule. C'est ça. Non, on n'a pas le temps. Il reste une heure. Alors c'est pas Laetitia. Non, mais parce que Laetitia, on en parle beaucoup. Une femme politique. Chanteuse française. Pas française. Madonna. Madonna. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est plutôt drôle, hein, comme réflexion. Je suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis contre le fait d'en parler. Ça, c'est plutôt marrant. Et j'ignorais que Madonna s'était fait refaire des choses. Attends, tu plaisantes. Elles se sont toutes fait refaire des choses. Sharon Stone. Oui, mais Sharon Stone, ça se voit. Madonna, oui. Aussi. Ce qui est drôle, je sais plus qui j'avais vu chez Mireille Dumas, un jour témoigné, c'était l'année dernière, avec une actrice qui disait qu'elle avait la bouche comme ça, les trucs tout tirés, qui disait. Ça, c'est Catherine Deneuve, ça. Moi, non, c'était. Je sais plus qui c'était, et qui disait la chirurgie esthétique, ça c'est vraiment, enfin je dis pas que j'y aurais pas recours un jour, mais tant que c'est pas nécessaire je préfère. Et tu sentais qu'elle était passée déjà dans les mains de 12 charlatans. Pareil, Mireille Dumas qui elle disait qu'elle avait eu recours, je disais c'est pas vrai. Dans la série des potins, je vous conseille le bouquin de Justine Lévy où elle raconte la description des opérations de Madame Sarkozy qui est assez piquant. Qu'est-ce qui coûte, d'après les experts du marché immobilier, 1,3 milliard d'euros ? Qu'est-ce ? C'est dans le point, dans l'enquête de cette semaine ? Non, c'est dans Gala que j'ai trouvé cette information. Ah, c'est la maison d'une célébrité ? Oui, ça on peut le dire. C'est beaucoup. Le mètre carré de chez machin truc. Mais c'est pas une maison qui est faite pour habiter, je pense. Si, il y a des gens qui y habitent, oui. Il y a des gens. C'est pas l'Elysée ou pas la maison qui a été. C'est pas l'Elysée. Matignon ou un truc ? Non. C'est pas la maison qui a été achetée sur la Côte d'Azur par un russe. Non, la Villa Léopolda, non, c'était moins cher que ça. Ce n'est pas à Paris. C'est en France ou pas ? Ce n'est pas en France. Ah bah alors. La Maison Blanche, la Maison Blanche. Non, pas la Maison Blanche. 1,3 milliard d'euros. C'est le mètre carré au Vatican. 19 salons de réception, 775 Versailles. Pièces. C'est à Londres. Ah merde, oui. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ouais, mais enfin, ça vaut ça, mais personne va le vendre. Donc on s'en fout de savoir combien ça coûte. Va savoir un jour, T'imagines imagine que la reine, sans dire rien à personne, elle l'ait foutu en viager. La bonne opération. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils meurent tous avant elle. Lady Diana et tout le monde. En fait, la reine Elisabeth, c'est la Jeanne Calment de Buckingham Palace. 1,3 milliard d'euros. 775 pièces. Moi, c'est les 240 chambres d'amis qui me... Ah ouais, ça va. Moi, j'adorerais. Moi, j'adore faire des teufs. Mais tu les fais pas venir tous ensemble. Ah, chacun et sa chambre, c'est quand même bien. Oui, c'est vrai que chez toi, pour le moment, on est tous dans la tienne, donc c'est un peu chiant. Parlez pour vous.
240 chambres. Une salle de cinéma aussi, hein, quand même. Ah, j'allais dire une salle. 240 chambres d'amis, mais une un chiotte. Oui. Non, alors. Alors revanche, on joue à chiotte musicale. Tu vois, il joue. Il y a l'orchestre de. Vous avez des raison de dire, c'est joue. Un peu décevant, parce que dans ce genre d'endroit, on se dit, il y a une salle de bain par chambre. Hein, quand on reçoit bah oui. dans une belle maison des amis, il y a toujours la salle de bain avec la chambre. Là, il y a 240 chambres et seulement 78 salles de bain. Ah oui, elles sont au bout du couloir. Ah, c'est mais fou. On te donne un plan. Quand tu dois aller te brosser les dents le soir, tu as un plan et tu te perds dans Buckingham Palace. Bon, ils disent en plus que c'est bien situé au cœur de Londres. Oui, ça, on l'avait remarqué. Il n'y a pas vue sur la Tour Eiffel, en revanche. C'est le seul truc qui manque. Hein, par beau temps. 1,3 milliard d'euros, mais ce n'est pas à vendre. C'était Buckingham Palace et c'est une bonne réponse supplémentaire de l'incollable Fabrice Eboué. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Fabrice Eboué, hier sur Europe 1, je crois que vous avez entendu Christophe Ondelat dans l'émission de Jean-Marc Morandini et ça vous a un peu choqué. J'ai pas été choqué, je suis plutôt amusé dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il était reçu donc chez Morandini et on lui parlait de sa nouvelle émission le vendredi sur le service public. Celle qui devait battre nos scores, hein, il l'avait bien annoncé. Voilà, et bon, il y a eu quelques soucis d'audience en effet, mais le propos n'est pas là. Le propos, c'est simplement qu'il y a un chroniqueur handicapé, si tu veux, dans son émission. Que d'ailleurs Titoff a interprété au cinéma, puisque c'est Bruno de Stavelrat. C'est le rôle joué par Titoff dans Cavalcade. Et alors, il a fait un parallèle un peu étrange, Christophe Ondelat, hier. Il a tout simplement dit... voilà, moi, il y en a qui prennent des minorités, des noirs, des arabes. Moi, j'ai pris un handicapé. Et ça sonnait un peu bizarre, si tu veux, dans ma tête. J'avais l'impression que, finalement, c'était un handicap que d'être noir ou arabe. Et je me suis dit... Tu vois un peu ce que nous, les Belges, on vit depuis 20 ans. Voilà, exactement. Je me suis dit, quitte à ce que ce soit un handicap de faire partie des minorités visibles, autant en profiter, si tu veux, et bénéficier, par exemple, des stationnements handicapés qui sont très prisés sur Paris. Donc, je voudrais qu'on appelle la mairie de Paris, si tu veux, que je réclame, en tant que personne de couleur, une carte handicapée pour pouvoir me stationner comme il se doit. Non. Et comme Christophe Ondelat l'a demandé, voilà, exactement. En quelque sorte. Alors, on appelle la mairie de Paris. Tu vas le faire ? C'est important, moi, je vais me garer un peu à Paris, c'est important. On va avoir un 10. C'est un accent social du 8e, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis résident dans votre arrondissement. Oui. Voilà, je suis handicapé, donc je souhaiterais savoir quelle démarche je dois suivre pour obtenir ma carte de stationnement. C'est-à-dire, enfin, une carte d'invalidité ou... Oui, bah, je suis... je sais pas justement s'il y a des degrés au niveau de l'invalidité par rapport au handicap, comment ça se passe, s'il y a plus de place, si on est plus ou moins handicapé, comment... D'accord. Ben, je vais prendre vos coordonnées, puis je vais vous envoyer le dossier. Je peux avoir quelques renseignements quand même par téléphone, c'est-à-dire alors... que... moi, par exemple, je suis noir. Je voulais savoir de quoi je pouvais bénéficier à peu près comme place au niveau des stationnements. Vous avez des renseignements précis, vous Bah, pas trop, si vous voulez, mais comme là, je suis en plus, je suis avec quelqu'un, donc... Bah, c'est-à-dire que, par exemple, quand les gens sont en fauteuil roulant, bon, bah, c'est évident. Moi, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, je suis de couloir noir, en fait. Et aujourd'hui, apparemment, c'est considéré comme un handicap. Bah, et je voulais savoir comment j'avais accès à ces places. D'accord. Mais je me répète, je vais prendre votre numéro de téléphone comme mais ça. Pour je... vous, c'est un gros handicap ou bien c'est. De quoi d'être noir ? Il n'y a pas d'handicap à être noir. Hein. Ah bah, excusez-moi, aller chercher du travail ou essayer de rentrer en boîte de nuit en tant que noir, vous allez voir, c'est pas un handicap, madame. Donc c'est pour ça que je réclame quand même une carte comme il se doit. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, comme je préférerais vous parler plus posément. À part les places handicapées, je pourrais bénéficier d'autres choses, peut-être pas faire la queue dans les supermarchés, ça m'intéresserait aussi. Bah ça, à ce moment-là, c'est inscrit dans le dossier. Le problème, c'est que dans les supermarchés, je me dis qu'il y a beaucoup de noirs aussi et qu'on risque peut-être de se battre aux caisses handicapées, par contre. Mais c'est pas un problème d'être noir, enfin, je suis désolée. Ah non, parce que moi, je suis complètement valide, hein, madame. Moi, je marche bien, je fais même de l'athlétisme, mais normal, si vous voulez. J'ai pas de handicap physique, j'ai juste le handicap de la couleur, si vous voulez. Mais c'est pas un handicap, je bien sûr que si, madame. Vous essayez de rentrer en boîte de nuit en vous maquillant toute noire ce soir, vous allez voir, c'est un handicap. Donc, comment je fais pour recevoir ma carte? Bah, je vais vous envoyer un dossier. Et dans la case, donc, il y aura une carte handicap, je mets noir? Bah non. Mais je mets quoi, madame? Vous êtes gentille depuis tout à l'heure, vous me dites ça, je mets quoi? Il n'y a pas à préciser que vous êtes noir. Enfin, Mais je vais pas mentir, je vais pas mettre que je suis en fauteuil roulant puisque je marche comme vous, madame. Mais franchement, vous pourrez pas avoir une carte d'invalidité parce que vous êtes noir. Ah bah elle est belle la France, moi je vais vous le dire, madame. Allez, on va dire à madame que c'était Fabrice Eboué qui l'appelait. Je me doutais, mais
Je me suis dit, je reconnais la voix, mais ah, c'est qu'il est quand même pas. Beaucoup, oui, c'est moi. On l'a déjà une voix. Eh ben, on vous remercie pour votre gentillesse, on vous embrasse et on vous laisse travailler. Et c'est quel sur un repas, on va se gêner, Laurent Ruquier. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. On va gêner avec cet après-midi Fabrice Eboué, Philippe Geluck, Jérémy Michalak, Marianne Sergent, Christine Bravo, Titoff et Laurent Ruquier. Europe 1, on va gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous allez bonjour, bien, bien avant de vous lancer sur votre chronique du jour, je sais que Titoff voulait revenir. Non, je voulais saluer Bruno Salonat au passage. Après le chroniqueur de chez Christophe Andelat. Voilà. Et non, dire que quand j'avais fait le film, il y a quand même des incohérences incroyables. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais les bus, ils ont une super idée. Ils ont mis des rampes pour les handicapés en fauteuil, pour pouvoir descendre en fauteuil. Et sauf qu'il y avait un détail, c'est-à-dire que dans la plupart des quartiers, le trottoir n'était pas à la bonne hauteur. Donc l'idée est bonne, ils ont investi, mais ça ne correspond pas au trottoir. Vous avez juste vraiment ça. Vécu pendant toute la durée oui, du tournage du film. La préparation du film. C'était voilà. Et je salue tous mes amis à roulette. Voilà. Et vous allez tourner dans le fameux hôpital de Garches. De Garches. Serge Liado, aujourd'hui, vous faites jouer les chroniqueurs. Oui, c'est sur la jour. Date du jour. Voilà, c'est coup le jour de bol, c'est pas le 11 septembre, c'est le 10. Oui, il se passe des choses même le 10 septembre. Oui. Est-ce qu'on peut donner l'année ou pas? Oui, on peut donner l'année, oui. Ça s'est passé un 10 septembre 1898. Il y a 110 ans. Il y a 110 ans, ah, oui. 110 ans de ça. Ah, dommage que Claude ne soit pas là aujourd'hui. Il faut retrouver quoi? Et c'est évidemment grâce à des extraits de chansons que bien, peut-être ça. Les chroniqueurs vont deviner ce qui s'est passé le 10 septembre 1898. À mon avis, il ne s'agit pas d'identifier les interprètes. Attention. Hein, oui, on oublie qui chante. Ce qui est intéressant, c'est évidemment le code secret. Savoir qu'est-ce que ces chansons alignées les unes après les autres veulent dire. Que s'est-il passé le 10 septembre 1898? Le 10 septembre 1898. Et si, la vie est belle. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Le temps sur je connais est trop lourd. L'empereur s'inquiète pour vous. Le temps sur je connais est trop lourd. Reine d'Autriche, c'était tout sauf super. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Ce soir, nous sommes septembre. Elle n'était plus qu'à 25 mètres de l'embarcadère quand j'aperçus un individu bien mis surgir à côté d'elle. Que le sang coule et rougisse la terre et l'anarchie enfin va triompher. Elles sont ses jambes qui se dérobent, elle se couche par terre. Elisabeth, les bras en croix, le regard en l'air. J'ai fermé le livre. Bravo pour cette énigme, Serge. Je sais qu'autour de la table, j'en vois 1, 2, 3, 4 qui ont trouvé. Bah oui. Marianne aussi. Titoff, peut-être. Oui, 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 oui. Oui. J'ai trouvé, mais je préfère les 5 qui peuvent m'aider. J'ai beaucoup brillé aujourd'hui dans cette émission. Je vais vous dire, faut pas dire oui, oui, il faut dire si. Et voilà. C'est le décès de Cissé. Le décès de Cissé. Le décès de Cissé. L'assassinat de Cissé. Exactement. On a entendu évidemment la valse de l'empereur de Johann Strauss. Fils. On a entendu si, la vie est belle de Gilbert Bécaud. Entre autres, la voix évidemment de Romy Schneider chantant la chanson d'Hélène dans le film Les choses de la vie. Et aussi la voix de Romy Schneider interprétant un extrait de la lettre de Rosalie dans le film César et Rosalie. Et évidemment, Romy Schneider, c'est pour nous tous la Sissi, impératrice du cinéma. Et précisons aussi que Sissi s'appelait en fait Elisabeth. Voilà pourquoi on a entendu et donc, le prénom. C'est le jour de la sortie du film, c'est ça en fait Sortie du DVD, ouais. Voilà. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Michel Alliot-Marie, c'est vrai ça? Oui, absolument. Bon anniversaire, Michel. Et alors, pourquoi vous voulez nous parler de l'anniversaire de Madame la ministre de l'Intérieur? Parce qu'en ce moment, avec le dossier
Edwige, c'est un petit peu sa fête aussi. Ah bah oui, ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc une chanson d'anniversaire pour Madame Alliot-Marie. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la ministre Alliot-Marie. Elle a exactement 62 ans. Puisqu'hier elle a déclaré qu'elle n'avait rien à cacher, on aimerait vérifier. Michel, vas-y confesse-toi. Que penses-tu en vérité des gens de l'UMP et de Nicolas? Faut tout raconter. Michel, au moment d'orgasme, à l'instant du grand vertige, est-ce que Patrick fantasme, s'il t'appelle Edwige, est-ce que tu le corriges? La 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 la, est-ce que tu le corriges? Oh oui, corrige-le. Évidemment, vous avez utilisé, cher Serge, toutes les dérives possibles à cause du fichier Edwige sur les orientations sexuelles et autres oui. détails contre lesquels les différentes associations luttent. Et vous aussi, on l'aura compris par l'intermédiaire de cette chanson. Bravo, Serge Liado. J'ai en main le livre dont tout le monde parle depuis des mois et des mois, un livre publié chez Actes Sud. J'en ai qu'un des trois parce qu'en fait, il y en a trois. C'est une trilogie, la trilogie Millennium. Écrite par Stieg Larsson, fameux écrivain décédé d'ailleurs, hein, ouais. C'est un succès posthume que ce succès de Millennium, mais c'est des records et des records de ventes partout dans le monde. On s'arrache ces bouquins, encore cet été on les a lus comme jamais on avait pu lire peut-être ce genre de livre. Je crois qu'on en est à 1,7 million d'exemplaires vendu. De chaque tome. Alors je sais pas si c'est les trois ou si c'est. C'est énorme. C'est possible. À mon avis, c'est chacun. C'est 1,7 million de la trilogie. Alors Stieg Larsson est suédois. Il faisait pas partie du groupe ABBA, mais en tout cas, manifestement, il a laissé une œuvre qui va marquer les lecteurs. Curieusement, sa veuve, elle va pas toucher un radis, hein, parce que ils n'étaient pas mariés. Voilà, c'était sa compagne depuis une trentaine d'années et ils s'étaient pas mariés. Elle n'a aucun droit légal sur sa fortune posthume, et c'est le père et le frère de Stieg Larsson qui empoche le pognon. D'accord. Et en plus, ce qui est un petit peu vexant pour elle, qui a tout de même partagé sa vie, qui l'a aidé à devenir aussi cet écrivain, c'est que le mec s'entendait pas du tout avec son père et avec son frère. Alors j'ai en main le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, et j'ai donné ce livre. Pourquoi vous me faites des grands gestes? Parce que je veux pas le résumer, moi. Ah bon? Parce qu'il y a une vraie polémique sur ce livre. Parce que moi je n'ai croisé que des gens qui ont adoré. Voilà. Et je suis tombé sur Christine qui m'a dit c'est de la merde. C'est pour ça que je veux pas commencer, justement. Alors Jérémy Michel. Malheureusement, je suis d'accord avec Christine. Moi, je suis partie des gens personnes qui ont pas aimé ce bouquin. Et t'as tout l'histoire. Lu? Ouais, j'ai pas lu les trois tomes. Ah. Ça va, on est que le premier. C'était 600 pages. Merci beaucoup. C'était notre devoir. Alors Michel. L'histoire en deux mots, c'est l'histoire en gros d'un journaliste qui part enquêter sur la disparition d'une jeune fille en 1966. Et il va enquêter sur une île sur laquelle vit toute une famille. Toute la famille est considérée comme suspecte, et c'est un peu une sorte de Cluedo, si vous voulez, sur une île en Suède. Je suis déçu pour la bonne et simple raison que c'est un bouquin qui nous a été survendu par tout le monde. Tout le monde fait l'éloge de ce bouquin. Visiblement, c'est la révolution et c'est quelque chose d'incroyable. On nous annonce le nouveau Bret Easton Ellis, donc forcément on s'attend à ce qu'il y ait de la drogue, du sexe et de la violence, et au final, comme c'est en Suède, c'est plutôt ambiance Ikea, Volvo et Chris Prolls, quoi. Donc c'est pas tellement ça. Manifestement, ça plaît. 1,7 million. Ah oui, mais sûrement. Bah alors attends. Incompréhensible. Attends, parce que là, je vois deux personnes qui ont lu effectivement le début du premier tome. Passer les 100 premières pages. Vous avez lu 200 pages du premier tome. Oui, non, mais là, on fait juste la critique du premier tome. Après, peut-être qu'effectivement, lui, il a lu jusqu'au bout. Ce que va dire Christine, elle a raison, c'est que les 150 premières pages, en tout cas dans ce premier volet, ne servent strictement à rien, et les 50 dernières pages non plus. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai lu cet été, et je vous promets. J'aime bien aussi un bouquin qui te bouffe, qui t'attrape dès le départ. Mais là, on s'accroche un petit peu au début. C'est vrai. C'est suédois, ça se passe dans le nord de la Suède. Mais je te promets aussi que quand t'es arrivé à la fin du premier tome,
T'as plus qu'une chose en tête, c'est de lire le deuxième, et qu'ensuite le deuxième, tu le lis en quelques jours, que le troisième, et que quand t'as fini le troisième, tu pleures. Parce qu'il n'y en a pas un quatrième. Fabrice, tu t'attaches. Alors, attends, tu t'attaches aux personnages. C'est possible. Tu as des personnages qui vont arriver Fabrice, qui sont extraordinairement. C'est possible. J'ai lu moi les trois, et c'est à la moitié du troisième où j'ai trouvé ça passionnant. Non. Mais te taper 1200 pages pour 200 pages de bonheur, c'est un peu relou. Je suis pas d'accord. Alors, Christine. Moi, mon premier reproche, outre, je pense qu'il il doit avoir raison puisqu'il y a quelque part, on me dit tellement ça. On me dit tellement ça. Mais alors, le style est tellement nul, et ça c'est impardonnable, ou alors c'est très mal traduit. Tu vois un tout petit paragraphe ici là que j'ai surligné, on voit pas à la radio, mais oui. C'est quand même quand la collision. Alors t'as écrit quand la collision. Après leurs occupations se sont précipitées sur les lieux de l'accident. Après peu après la collision, trois phrases après. Après nous n'étions plus que cinq personnes sur le lieu de l'accident. Après, il était arrivé à vélo pour aller en ville une minute ou deux après l'accident. Mmh. C'est-à-dire, t'as 10 fois le mot accident dans une page. Le style est tellement nul que moi, ça me sidère. Alors, non seulement le style est pas nul, moi je trouve ça remarquablement écrit. Là. Je trouve que les noms des gares, des villes suédoises, on s'en fout, on les voit photographiquement, donc jamais tu n'es perdu parce que tu reconnais pas les noms. Et ensuite, il a une qualité énorme parce que c'était un journaliste économique très très pointu, très progressiste. Et il dénonce à travers ce livre des magouilles. Il est décédé d'une crise cardiaque, brutalement. Oui, à 49 ans. Et non seulement je trouve ça très bien écrit et bien traduit, mais il a cette qualité rare, c'est que de temps en temps, le héros fait un point de la situation. Tu vois, il te répète un petit peu les points principaux que tu dois garder en tête pour comprendre la suite. Ah bah d'accord. Si je peux conseiller juste quelque chose à nos auditeurs, c'est plutôt le lire en suédois, parce que c'est vrai que il est plus intéressant en version originale. Voilà, c'est juste Millennium chez Actes Sud. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est le tome 1, mais les trois tomes cartonnent, sont en tête de tous les classements. Et apparemment, il existerait peut-être un quatrième tome qui pourrait circuler dans un futur proche sur Internet. C'est le mythe et la légende qui entoure la mort de ces garçons. C'est pas la peine, c'est pas la peine. De 16h à 18h du lundi au vendredi, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Blade Runner était attendu hier et il a répondu aux attentes qu'on avait de lui. Qui est celui qu'on surnomme Blade Runner ? Aucun lien avec le film avec Harrison Ford ? Non, aucun lien. Ah, bien sûr, là c'est ça. Blade Runner. Un sportif ? Ah oui, c'est le coureur du 100 mètres. C'est-à-dire ? Handicapé. Oui. Ah. Eh ben, il a gagné le 100 mètres en 11 secondes. Pistorius. Médaille d'or du 100 mètres, Oscar Pistorius, ce sportif sud-africain qui a deux prothèses pour courir. Alors évidemment, c'est terrible parce que on veut pas de lui dans les Jeux Olympiques valides, mais on veut pas de lui non plus dans Jeux Olympiques des handicapés parce qu'on dit oui, mais alors c'est pas juste parce que lui, il a deux jambes en moins et nous on en a qu'une en moins. Il a un véritable équilibre. Mais je vous jure. Hein, du coup, sur les parkings, il a droit à une place handicapée ou pas? Non, parce qu'il est pas noir. Non mais attends, tu peux pas être jaloux d'un mec qui a pas de guibole. Non mais c'est sûr que tu peux. Il faut dans les Jeux Olympiques pour handicapés, il faudrait qu'il y ait des sous-catégories. Bien sûr. Ah oui. Parce que tu peux pas faire le lancement du javelot si t'as pas de bras. Un aveugle ou un aveugle contre un myope, c'est injuste. Oui, c'est ça, exactement. Et tous les noirs, tous les noirs qui sont bons en 100 mètres, tu crois que s'ils ont dans les slips, ça les déséquilibre pas. Non, écoute, arrête. Ah non, c'est incroyable de voir ces prothèses en carbone. Hein, et j'ai vu les images de sa médaille d'or hier. Alors, il est très en retard par rapport aux autres parce qu'il met du temps à partir. Mais une fois que c'est parti, il rattrape tout le monde et il les dépasse. Je comprends que ça les fasse rager, les autres. Mais les autres n'ont qu'à demander qu'on monte un mur après la ligne d'arrivée. On va voir comment il va se ramasser. Une fois qu'il est lancé, il ne s'arrête pas facilement non plus. C'est un véritable exploit quand même. Il espère obtenir 3 médailles en tout. Hein, le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. Et le tir à l'arc aussi. Pourquoi, mesdames ? Parce qu'après, il retire la jambe et il met une corde. Qu'est-ce que c'est con, toi ? Là où il n'a pas de bol, quand même, c'est qu'au départ, moi j'avais lu ça, c'est qu'il faisait du rugby au départ, Oscar Pistorius. Et il s'est mis à courir après un accident au genou, alors qu'il avait déjà plus de jambes. C'est quand même un mec qui n'a pas de chance, quoi. Mais il n'y a pas du rugby pour handicapés, tout de même. Bah si, en Afrique du Sud, probablement, faut croire. Avec des fauteuils ?
du rugby en fauteuil. Quand tu fais une mêlée. Mais oui, exact. Les gens, ça ressemble à un embouteillage. La mêlée, tu peux le faire, mais après, tu ne peux plus sortir de la mêlée. Ouais, c'est ça. La mêlée, au contraire, c'est qu'une mêlée, en fait. Ça, ouais. Et en plaquage. Bah, c'est avec un antivol. Comment? Avec un antivol. Tu l'accroches au poteau. Et un plaquage. Mais, on rigole, mais non. Cet Oscar Pistorius, là, ce Sud-Africain, c'est assez incroyable de voir comme il a d'abord été rejeté parce qu'on voulait pas qu'il fasse partie des Jeux Olympiques. Il aurait pu, hein, mais il s'est pas qualifié parce que finalement il a eu dernier moment un accord pour aller à Pékin, ouais. Sauf que à, je crois, 70 centièmes de seconde, il a échoué et puis l'Afrique du Sud ne l'a pas sélectionné pour le relais 4x100 mètres parce qu'il aurait pu aussi participer au relais 4x100 mètres. Total, ne participant pas aux JO valides, il s'inscrit aux Jeux Paralympiques et là, une fois de plus, il n'est pas le bienvenu parce qu'il gagne, en fait. C'est, ça, c'est, son là, problème. C'est là où les Jeux Paralympiques, moi je me pose la question à chaque fois, ils n'ont pas le même handicap suivant les épreuves. Ouais, donc c'est, ou alors il faudrait des épreuves 100 mètres où il te manque la moitié d'un pied, enfin des trucs super précis à chaque fois, tu vois. Et c'est aussi douteux aussi, c'est que les Chinois, pour gagner, ils commencent à couper des jambes de certains enfants, des bras, des mains. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que c'est eux qui sont en tête aussi pour les Jeux Paralympiques, les Chinois. Je te dis, pour l'instant, ils ont 53 médailles, 16 médailles d'or. Et nous, les Français, pour l'instant, on n'a qu'une médaille d'or. Ah. C'est celle d'Oscar Pistorius. Voilà. Attends, mais nous, non, c'est pas la France. Oui, qui est australien. Ah ben non, il n'est pas français. Il est pas, sud-africain. Parce que je suis con. Il est sud-africain. Il aurait mérité d'être français. Voilà. Mec, une mauvaise foi totale. Ouais. Ah ben, je sais pas qui a eu une médaille d'or chez nous, alors. Ah, c'est un nageur, me dit-on. Ouais. Ah, c'est David Smetanin, ça doit être ça, au 200 mètres nage libre. Et qu'est-ce qu'il avait comme handicap? C'est celui qui tient le plus longtemps sous l'eau. C'était le 200 mètres poumon d'acier. En fait, pour l'instant, c'est à peu près le même classement que pour les valides. Ah oui, mais ce qui était magnifique, c'était la cérémonie d'ouverture, elle était quasi aussi belle que celle des Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Non, moi, c'est vrai que c'est, après, c'est délicat, mais c'est quand même une bonne initiative. Vous croyez pas si bien dire, les non-voyants, par exemple, on en avait eu un au téléphone il y a quelques mois de cela, et j'ai eu le témoignage de footballeurs, de vrais footballeurs, ayant joué au foot contre des footballeurs non-voyants, ouais. Bah, il paraît que ils sont stupéfaits, les footballeurs voyants, de jouer et de voir comment les footballeurs aveugles arrivent à jouer au foot, parce que, évidemment, ils ont, alors, faut savoir que le ballon a comme des gros lots qui fait qu'on entend le ballon partout où il circule, et puis il y a des coachs au bord du terrain qui disent à droite, à gauche, tire. Enfin bon, et il paraît que c'est hallucinant la façon dont ils sont capables de jouer, même contre des footballeurs. Bon, certes, c'était ceux de l'équipe de France, hein, mais quand même. Voilà. Je suis très sérieux. Hein, il paraît que c'est hallucinant et que c'est stupéfiant de voir la façon dont ils s'ébrouillent. C'est dommage de tellement séparer les choses. Alors, c'est formidable d'organiser des vrais Jeux Olympiques pour athlètes handicapés, mais ça devrait être plus intimement liés, parce que ce sont des sportifs, parce que ce sont des gens courageux d'un côté et de l'autre. Rapide comme l'éclair, en tout cas Oscar Pistorius a eu sa médaille d'or hier, et peut-être qu'un jour il pourra courir parmi les valides, c'est ce qu'on lui souhaite. Allez, une autre question, une dernière avant Paul Vermus dans quelques minutes. Qui va faire de la publicité prochainement, on pourra le voir sur tous les écrans à partir du 11 octobre, pour le déodorant Williams? Un mec un peu puant? Non, c'est un sportif. Il y apparaîtra vêtu d'une blouse blanche, nous dit le dossier de presse, à partir du 11 et jusqu'au 24 octobre sur les chaînes hertziennes et sur le câble. On le verra vanter les mérites du déodorant. L'acteur de Dr House. Williams. Non, c'est un sportif. C'est un beau mec. C'est pas un sportif. C'est un français. Est-ce que il est beau? Moi, je le trouve pas très beau, mais certains le trouvent beau. C'est un comédien. C'est un comédien. Mais pas français. Alors attends, donc le contraire de ton genre. Donc, c'est pas Jude Law, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, alors, c'est machin, un acteur qui fait le toubib, là. Ce n'est pas un acteur français. C'est un chanteur anglais. Ce n'est pas un chanteur anglais. C'est pas de nouveau Waddell, ça. C'est pas. George Clooney. Ce n'est pas George Clooney. Pourquoi il aurait une blouse blanche? Parce qu'il est médecin? Je sais pas pourquoi il a une blouse blanche. C'est pas glamour, en tout cas, le déodorant. Est-ce que lui, il est glamour? Glamour, c'est pas le mot. Est-ce que, d'abord, Laurent, précisons, est-ce qu'il s'agit d'un déodorant en bombe ou d'un stick large? J'en sais rien, moi. Ah bah oui, mais Laurent, ah oui, mais faut attendez, être précis, quoi. Laurent, je suis désolé. Recoupez votre si je vous donnais le slogan du déodorant Williams, peut-être que ça vous aiderait. Alors vas-y. Ah, parce que c'est une phrase que dit tout le temps cette personne. Non, mais évidemment, il y a une petite référence. Ah. Bah vas-y. Alors la phrase, c'est l'expert des hommes actifs. Les experts. Non. Bah, je peux terminer la phrase. L'expert des hommes actifs en continu.
L'expert des... Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas vrai. Notre spécialiste S-film de cul. Et en même temps, vous répondez, c'est donc bien le stick large. Ah, ça me dégoûte. C'est Rocco Siffredi qui va faire de la pub pour le déodorant Williams. Je le trouve pas très séduisant, franchement. Ah non. Ah, vous êtes d'accord. Il est vilain comme un cul. Ah, vous trouvez? Et con comme une bite, alors bon. Voilà, Rocco Siffredi va d'ailleurs créer aussi une émission de télé-réalité pour dénicher la prochaine star du porno, si ça vous intéresse. Voilà, et vous pourrez bientôt voir ça sur les différentes chaînes de télévision. Mais surtout là, en blouse blanche, il va vanter les mérites du déodorant Williams. J'associe pas vraiment pourquoi déodorant et sexe. Bah, ouais. Performance. T'es déjà allé sur un tournage de film de cul? Ouais. L'odeur, c'est pour ça qu'il faut que ce soit déodorant. Ah bon, c'est vraiment. Non, j'en sais rien, j'imagine. Ouais, ça doit être. Mais non, j'en sais rien, mais j'imagine. Ça va, je vous ai raconté ma première suspension hier, ça suffit pas. Non, mais tu jours. Sais, excuse-moi Jérémy, mais tu sais, les odeurs, en fait, on n'a pas tous par rapport. C'est-à-dire. La position, bah, selon l'endroit dans la pièce, la hauteur à laquelle on est, on n'a pas tous le même rapport aux odeurs, c'est Jérémy. Moi, je prends tout normalement. Ouais. Tu vois, c'est, je sais pas, ça n'a rien à voir avec ta petite taille. Ouais, hein, peut-être que toi, tout au long de la journée, tu ressens des odeurs que nous, un peu plus haut, on sent moins, quoi, peut-être. C'est dans les pieds, par exemple, ça. Et la blouse blanche, est-ce qu'il est précisé qu'il a un pantalon en dessous de la blouse blanche? Je n'en sais rien, ce sera le suspense jusqu'au 11 octobre, date à laquelle vous pourrez commencer à voir cette publicité avec Rocco Siffredi. Un concurrent de Rocco Siffredi dans un instant, Paul Vernis. Et jusqu'à 18h, Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Les vermuceries de Paul Vernis. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, j'aimerais que vous retiriez ce que vous venez de dire là. Mais non, il veut que tu retires Rocco Siffredi. Mais non, vous êtes un peu le concurrent, c'est vrai que vous êtes parfois un peu long Paul. Ah oui, c'est ça, oui, non, bon, certes vous êtes flatteur, mais n'abusez pas. Hein. Et puis vous simulez souvent. Ça c'est vous qui le dites. Des infos sur PPDA Paul. Alors j'ai déjeuné avec lui hier d'ailleurs, pas de secret. Comment va-t-il? Ouais, ben, écoutez, tout beau, tout bronzé, il était à la nous étions à la closerie pour notre déjeuner mensuel. Hein. Tu déjeunes avec lui tous les mois? J'entends. Tu sais qu'en fait, il est totalement déformé, le pauvre Patrick Poivre d'Arvor. Il va à la closerie des Lilas tous les soirs à 20h précises et il fait: Madame, Monsieur, bonsoir, j'aimerais en entrer. Et il fait son petit journal comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Il se met au piano bar. Hein. Bon, alors, il y a quand même des informations qui tiennent la route là maintenant. Ah. Bon, je peux vous dire que ça, c'est quasiment signé. Les soirées prestigieuses début décembre sur Arte, c'est fait. C'est PPDA qui va les animer. Ouais. Je peux vous dire qu'un grand news magazine, dès le mois prochain, début octobre, aura sa signature toutes les semaines. C'est fait. Oh, et lequel? Lequel? Jean Gala? Écoutez, si je vous dis tout maintenant, d'abord pas Jean Gala, j'ai dit News Magazine. Gueuluc, vous venez, dites des choses sensées à votre tour. Paris Match, c'est Paris Match, évidemment. Ça peut être quelque chose comme ça, voilà. Ah, oui. Bon. Souvenez-vous qu'il avait travaillé au JDD, hein. Bien sûr. Ouais. Ouais. Alors bon, directeur littéraire d'une prestigieuse maison d'édition. Alors je vous signale quand même, Laurent, que son livre, consacré à ses déboires, il ne sortira qu'une fois qu'il aura touché ses indemnités. Tout sur la soirée Van Cleef, maintenant. Ah, ça, c'était pas mal. Vous savez que ça se passait dans le château de mon copain, Jean-Louis Remilleux, le producteur. Vous connaissez Jean-Louis Remilleux? Oui, le producteur. Bon, le château de Grousset. Et le château de Grousset, c'est un château absolument incroyable, baroque. Qui avait été dont le patron, le maître était Charles de Bestégui, qui était le plus mondain des mondains au début du siècle. Bah, il y avait quoi dans cette soirée Van Cleef alors? Eh ben d'abord, c'était pour présenter la collection haute joaillerie. Alors c'était dans les jardins, ça se passait. Alors ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que les parures qui valaient des millions d'euros étaient cachées, donc il y avait quasiment autant d'invités que de gardes du corps. Alors, et chaque invité était avec son vendeur personnel. Donc c'était à la fois une soirée à la fois parisienne, robe longue, smoking, et une soirée aussi très très marketing. Vous y étiez, vous, vraiment? Bah bien, oui, mais j'aime pas le peu de confiance que vous avez en moi. Mais c'était assez stupéfiant, c'est une soirée hors du temps, hors du siècle, parfaitement démodée, à la limite du mauvais. Ah, mais voilà pourquoi vous étiez invité. Dites-moi, Paul, est-ce qu'on ressentait beaucoup la baisse du pouvoir d'achat? pas ce soir-là. Alors, tiens, Pascal Sevran. Ouais. Comment va-t-il? Ouais, alors, vous savez qu'il nous a quittés il y a quelques mois. Oui, c'était ça, on sait. C'était un 9 mai. On l'a même su prématurément. Oui. Avant tout le monde. Bien placé. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quelques mois après sa disparition, il va être à nouveau à la une de l'actu. D'abord, il va y avoir une grande soirée sur France 3, une soirée docu qui va s'appeler Les années Sevran. Ça sera avant la fin de l'année.
Il va y avoir un hommage, un grand hommage sur la chaîne, sur France 2. Il y a son journal qui s'appelle, vous savez, le 7e tome de son journal, Les petits balles perdues, ça sort au tout début de l'année. Alors vous me dire, qu'est-ce que devient l'œuvre de Sevran et que devient sa fortune? Oui. Bah, posez-moi la question. Qu'est-ce que devient sa fortune? Bah voilà. Alors, il va pas récupérer, ça on sait. Je savais même pas qu'il avait une fortune, moi. Ah non, il a une vraie fortune. C'est-à-dire, il a un sublime appartement sur les quais qui n'a pas de prix. Il a une sublime propriété avec un immense parc. Et puis, il y a le droit à l'image et les droits d'auteur. Ça représente énormément d'argent, Laurent. Énormément. Et puis, il a écrit des chansons, vous savez. Enfin, des tubes qui sont quand même dérangeants. Il venait d'avoir 18 ans. Ouais. Alors bon, eh bien, c'est son neveu, qui a hérité de sa fortune et qui va la gérer selon ses instructions. Rien d'autre ? Si. Il y a un truc très intéressant et nouveau à Paris. C'est les bookmakers. Vous savez que les paris en ligne vont être autorisés. Alors déjà, les bookmakers sont extrêmement actifs. C'est-à-dire on fait des paris sur Internet. Voilà. Alors bon. Et sur quoi parie-t-on le plus souvent ces derniers temps, très curieusement? Sur le papa du bébé de Rachida Dati. Voilà. Ça, c'est bien. Les thèmes politiques et les thèmes people. Alors, quel est le père de Rachida? Quel est le père de Rachida? Je ne répondrai pas à cette question, c'est de l'ordre de la vie privée, ça ne me regarde pas. Qui va gagner ce soir, par exemple? Eh ben, à 3-1, c'est la France qui va gagner 2-0 contre la Serbie. Bon. On en parlera. Mais qui a marqué le but à Rachida, c'est ça qu'on veut savoir. Et quoi d'autre? Laurent, autre question. Est-ce que Carla sera enceinte dans l'année à venir? Voilà. Et puis il y a les sujets politiques qui nous concernent plus particulièrement. Bien sûr, car on n'est pas people ici. Alors, trois sujets qui reviennent en force tous les jours. À 3-1, qui sera le premier secrétaire du PS? D'accord, oui, c'est un bon pari. Faut être fort, là. Delanoé? Ouais, c'est bon, vous avez. Là, voilà. Si vous jouez, vous gagnez, là. À mon avis, hein. Qui va remplacer en début d'année François Fillon? Xavier Bertrand. Ouais, qui? Non, Xavier. Darcos. À 2-1, Xavier Darcos. Et ça, ensuite, alors, en dessous, Xavier Bertrand. Okay. Et c'est très intéressant parce que finalement, au lieu de faire appel à l'IFOP, à la Sofres, vous faites appel aux bookmakers et vous avez une figure très réaliste de l'image de la France aujourd'hui. Qui succédera à Paul Vermus dans sa chronique? On fait la queue pour ça et je me fais pas de soucis, vous savez. Un jour ou l'autre, on le prendra, mon fauteuil. Vous le savez bien, Laurent. Mais non, mon Polo. On applaudit encore Paul Vermus. Et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.